Salut, me voilà pour une troisième et dernière vidéo sur Dimanche soir de Bruno Dias. Je vais tenter désormais de vous apprendre la fin du morceau. Donc, il s'agira de reprendre le motif d'arpège de l'intro, vu dans la première vidéo, et en le complétant. Ça va donner un arpège qui ressemblera à ceci. C'était pas parfait, mais ça ressemblera globalement à ça. Je ne vais pas reprendre l'arpège depuis le début. Je vais reprendre du coup sur le ré basse fa dièse, le tout dernier accord de l'intro. Je vous conseille d'utiliser du coup ce doigté, vu qu'on aura besoin de notre index. Donc à savoir majeur en 2 sur mi, les deux cordes à vide. L'annulaire sur sol en 2, pareil. Et l'auriculaire du coup sur si en 3, parce que on commencera du coup en 3 sur si, ensuite on ira en 1 sur si avec notre index, et 0, toujours sur si. Ça, du coup ça va donner le tout début, si on veut. Donc, mi, ré, sol, ré, si, si 1, si 0. Et vous reviendrez sur le tout premier accord de l'intro. Vous faites le même arpège que dans l'intro. Vous finissez par contre sur mi grave. Vous venez en 2 sur mi et vous faites un slide jusqu'à 7. Vous venez ensuite positionner un barré sur 5. Vous faites ré et mi ensemble. Donc ré et mi, sol, si, sol. Mi, en déplaçant du coup le doigt, en mettant l'auriculaire sur 8. Donc on était là. C'est mieux. Du coup, sol, si, ré, sol, si, ré, si, 7, si, 0. Et vous venez reprendre l'accord qu'on a vu dans l'intro avec 0, 5, 4, 0. 3, 2, et vous faites a priori le même arpège que ce qu'on faisait on faisait sur là, pardon. Mi, 3 et 5 les demi. J'essaye de me rappeler de l'arpège que j'utilise, vu que, comme je vous disais dans une vidéo, je le fais sans réfléchir à ce que mes doigts doivent faire. Donc, quand je réfléchis, ça ne va plus. Donc, les demi, ré, si, ré. Si, les demi, ré, si, sol. Eh bien, c'est compliqué.
je vais tenter de vous expliquer. C'est pas gagné. Les demi. Ré. Si. Sol. Si. Non. On recommence encore une fois. Mi. Ré. Si. Sol. Mi. Sol. Si. Sol, si, 7. Vous n'êtes pas obligé de garder l'index sur 3. Si ça fait un trop gros écart, moi c'est juste le réflexe, mais il y a juste la petite corde de mi qui vient de jouer. Je vais tenter de vous reprendre ça tout doucement parce que j'espère pas vous avoir perdu. Je me suis perdue toute seule en fait. Du coup, on va reprendre de là où on a vu dans la vidéo. Bon, j'espère que mes trois vidéos vous auront un peu aidé. Je suis désolée pour mon manque de pratique et du coup de professionnalisme, si on peut dire ça. Mais bon, j'espère quand même que ce sera mieux pour vous. Salut !